Deuxième grand rendez-vous sur Public Sénat dans le cadre de la primaire de la droite après Alain Juppé. C'est au tour de François Fillon, le député de Paris, de répondre aux nombreuses questions des chefs d'entreprise réunis par la Fondation Concorde, un think tank d'inspiration libérale. L'économie, ce sera l'un des thèmes majeurs de la primaire de la droite qui aura lieu au mois de novembre. Public Sénat vous propose donc de découvrir les programmes des différents candidats sur ce point. Un rendez-vous en partenariat avec Sud Radio. L'IFOP et la Fondation Concorde, mais avant d'écouter les propositions de l'ancien Premier ministre, Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'IFOP, nous livre les enseignements d'un sondage sur les traits d'image de l'ancien Premier ministre. Quel est le regard aujourd'hui de l'opinion vis-à-vis de François Fillon François Fillon était le premier candidat déclaré à la primaire organisée par les Républicains des 20 et 27 novembre prochains. Et les Français créditent François Fillon de cet engagement précoce. En effet, 59% des personnes interrogées estiment qu'il a envie de servir la France, un score qui culmine à 83% chez les sympathisants des républicains. De la même manière, une part non négligeable d'interviewés, 43%, voire 65% chez les républicains, considèrent que le député de Paris a un projet pour le pays. Pour autant, ce fait jour, à travers l'analyse de l'image de François Fillon, un doute sur sa capacité à réellement réformer et de mettre en adéquation sa volonté de servir le pays et les résultats qu'il obtiendrait à la tête de l'État. Ainsi, à peine 3 Français sur 10 le jugent capable de réformer le pays, de bousculer les conservatismes et les blocages de la société ou de sortir le pays de la crise économique. Néanmoins, sur ces dimensions à propos desquelles, vous le savez, le jugement des Français n'est pas véritablement surprenant. Il est marqué par une forte défiance générale à, euh, à l'égard du personnel politique, pas seulement vis-à-vis -vis de François Fillon. Celui-ci bénéficie d'un crédit supérieur de l'ordre de 50 à 55 chez les sympathisants de droite et du centre, voire parmi les électeurs potentiels de la primaire. Au-delà de l'enjeu de la réforme, on retrouve ces perceptions euh, contrastées, empreintes d'ambivalence s'agissant de l'image personnelle euh, de François Fillon. En effet, les Français parmi une série de traits d'image, de représentations, associent à François Fillon l'honnêteté, le courage à un niveau élevé. Ces qualités sont reconnues encore plus nettement par les sympathisants du centre, 80% par exemple pour le fait que François Fillon est courageux, par les proches des républicains, 76% des républicains considèrent qu'il est honnête, et ces sympathisants des républicains, le juge a plus des deux tiers, sympathique et inspirant confiance. Toutefois, une part minoritaire des personnes interrogées associe à François Fillon des traits d'image considérés dans l'imaginaire collectif comme consubstantiels à la fonction présidentielle. Seuls 37% des Français considèrent que François Fillon a de l'autorité, 35% qu'il est dynamique. Ces qualités s'avèrent toutefois davantage reconnues par les sympathisants de droite et du centre, mais à un niveau se situant à peine autour de 50%. De ces représentations découle un doute sur la stature présidentielle de l'ancien Premier ministre, qui ne lui est associé que par 35% des personnes interrogées, mais tout de même par un électeur potentiel de la primaire sur deux. Enfin, actuellement devancé dans les enquêtes d'opinion relatives à la course à la primaire du 20 et 27 novembre, même si bien sûr il faut le dire, ces enquêtes sont très fragiles et ne sont pas prédictives compte tenu des incertitudes sur. La participation finale et l'offre électorale des 20 et 27 novembre, François Fillon demeure majoritairement perçu comme un bon candidat pour la droite et le centre par les sympathisants du MODEM, de l'UDI, des Républicains à hauteur de 60% et même par 50% des électeurs potentiels de la primaire. De la même manière, dans un contexte de défiance massive vis-à-vis -vis de l'exécutif, une majorité de Français le juge capable de battre le candidat socialiste un pourcentage qui atteint 72% chez les sympathisants des républicains. Mais, en conclusion, il demeure un doute important que l'on peut relier aux fragilités d'opinion précédemment évoquées, s'agissant de la capacité de François Fillon à remporter la primaire puis l'élection présidentielle. Deux tiers des Français répondent par la négative. Ce doute est moins partagé, à hauteur de 50%, par les sympathisants des républicains. Il n'en reste pas moins qu'à huit mois de la primaire, François Fillon se trouve dans l'obligation de dissiper les interrogations des électeurs potentiels de cette élection, s'interrogeant sur sa capacité à réformer le pays, à le remettre en mouvement, tout en faisant preuve d'autorité. Le défi pour François Fillon, au cours des prochains mois, est de combler ses doutes et par là crédibiliser sa capacité à incarner l'alternance à gauche. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais, euh, après vous avoir remercié de me convier, à ce qui est annoncé depuis des jours et des jours comme un grand oral, euh, simplement vous dire en deux mots euh, la raison pour laquelle j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Euh, j'ai acquis au cours de mon parcours politique et en particulier lors des cinq années passées à Matignon le sentiment que notre pays était euh, dans un grave danger. Euh, sa dette est insoutenable à terme sa compétitivité économique se dégrade en permanence et l'écart se creuse avec la plupart des grands pays industriels. Euh, L'Europe qui est notre avenir, qui est notre futur, qui est euh, en même temps notre protection, est en train de se défaire euh, et nous sommes, pour euh, combler le tableau, euh, désormais menacés d'une instabilité euh, durable sur nos frontières sud et pour une très grande, très longue période. Pendant très longtemps, j'ai été un adepte de la réforme prudente, d'une forme de dialogue social moderne. J'ai été ce que l'on appelait un gaulliste social. Je suis arrivé à la conclusion, face aux difficultés que je viens d'évoquer à l'instant, que notre pays n'avait plus le temps d'attendre. Qui ne pouvait plus se donner le temps de la réforme, qu'il avait un besoin impérieux euh, d'une transformation radicale, qu'il avait besoin d'un choc euh, non seulement technique, fiscal, euh, en termes d'organisation sociale, mais qu'il avait besoin d'un choc euh, psychologique pour retrouver confiance en lui-même, pour retrouver confiance dans son avenir. Euh, nous nous sommes. Euh, Déchiré ces dernières années autour de débats fondamentaux sur l'identité nationale, sur la cohésion du pays. Ces débats sont des débats essentiels, mais ce sont des débats qui ne pourront jamais trouver de réponse positive tant que nous n'aurons pas retrouvé confiance dans notre avenir. Et pour retrouver confiance dans notre avenir, il faut redonner une perspective à la jeunesse de France. Il faut donc lui offrir des emplois. Il faut lui offrir une, euh, un destin, un avenir, une manière de construire. Euh, son, sa vie euh, personnelle euh, sans tout devoir euh, à l'État euh, et à la collectivité. Et c'est la raison qui m'a amené à poser très tôt ma candidature à cette primaire et surtout à préparer un projet politique euh, dont certains me disent qu'il est trop libéral, dont d'autres me disent que je l'ai commencé trop tôt et qu'il euh, inspire donc désorais, désormais mes concurrents. Euh, aucune de ces critiques ne, pour moi n'a de sens dans la mesure où ce projet qui vise à transformer radicalement notre pays ne peut pas être improvisé. Il ne peut pas être improvisé euh, au lendemain ou à la veille d'une élection présidentielle. Il demande un travail de fond que nous effectuons avec nos équipes depuis maintenant plus de deux ans en associant un grand nombre de personnalités de la société civile, en faisant des allers-retours avec le terrain pour euh, vérifier la faisabilité des propositions que nous faisons. Euh, ce projet, qui n'est d'ailleurs pas achevé et qui est loin d'être achevé, je dis ça par rapport à mes concurrents qui se déclarent les uns après les autres, j'en souhaite du plaisir pour réussir dans un délai aussi court à bâtir un projet sérieux, euh, ce projet qui n'est pas encore achevé euh, est euh, le cœur euh, de la proposition que je fais. Mais je voudrais, et j'en termine par là, ajouter un dernier mot. Je travaille autant sur le projet que sur la méthode de mise en œuvre de ce projet. Euh, et c'est évidemment euh, le fruit de l'expérience qui a été la mienne, puisque j'ai été membre de beaucoup de gouvernements euh, depuis euh, maintenant plus de 25 ans. Euh, la méthode que je propose, c'est une méthode qui est radicalement différente de tout ce qui a été fait euh, lors des quinquennats précédents. C'est une méthode qui consiste à arriver avec un projet précis. C'est une méthode qui consiste à choisir à l'avance les équipes qui vont mettre en œuvre ce projet afin qu'elle soit euh, opérationnelle immédiatement. C'est un projet qui vise euh, à euh, choisir des équipes qui soient des équipes euh, solides, peu nombreuses, faisant appel à la société civile, élargissant euh, les compétences. Presque tous les soirs, dans les débats que j'anime, je dis que je veux des ministres compétents. En général, ça déclenche l'hilarité de la salle ce qui montre à quel point le jugement que portent nos concitoyens aujourd'hui sur la compétence des équipes gouvernementales est sévère et à juste titre. Euh, et enfin, c'est un projet qui vise à bouleverser l'organisation politique de notre pays parce que je crois que notre système politique est à bout de souffle. Et d'une certaine façon, la primaire de la droite et du centre, venant après euh, les primaires de la gauche, est une première occasion de faire craquer le système politique. Euh, euh, étriqué qui est le nôtre. Euh, on pourrait d'ailleurs en dire autant du système syndical qui a lui aussi besoin euh, de craquer pour s'ouvrir et pour se moderniser. Et c'est dans cet esprit-là que je suis candidat à la primaire de novembre prochain. Voilà, je suis maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Vous parlez de discours de, de la méthode. Je rappelle juste quelques chiffres brièvement. 13 millions de Français travaillent dans le secteur public concurrentiel, moins de 8% des Français sont syndiqués, euh, y, compris le service public, y compris le service public. Ma question est simple, nous savons tous ce qu'il faut faire, est-ce que vous allez le faire, est-ce que vous allez remettre en cause, si d'aventure vous arriviez aux plus hautes fonctions, euh, le monopole des centrales syndicales qui, décennies après décennie, conduisent le pays dans le mur et sont allergiques au travail. Merci. Alors d'abord, je voudrais dire un mot de la réforme qui est en cours pour dire qu'on ne peut pas s'y prendre plus mal. D'abord, on ne peut pas s'y prendre plus mal en euh, euh, proposant au pays une réforme du Code du travail à la fin d'un quinquennat et en contradiction complète avec euh, les engagements présidentiels euh, du président Hollande. Euh, c'est d'ailleurs une caractéristique assez euh, fréquente dans notre vie politique que de voir des gouvernements s'engager sur une voie politique ou se faire élire avec des arguments politiques, puis en fin de quinquennat, se rendant compte qu'ils sont dans l'impasse, changer radicalement de politique. On ne peut pas réussir de cette manière. Si Dominique de Villepin avait échoué en euh, 2006 ou 2005, je ne sais plus, euh, c'est dans ce contexte-là. Fin d'un quinquennat. Euh, avec un président de la République qui avait été euh, élu, vous vous en souvenez, dans un contexte très particulier, euh, contre Jean Marie Le Pen, euh, une réforme qui euh, est annoncée euh, d'une manière brutale, euh, aucun, aucun, aucun travail pour essayer de trouver quelques appuis euh, dans le champ social, l'échec était et plus des divisions à l'intérieur de la majorité à l'époque d'ailleurs, comme aujourd'hui, euh, l'échec était assuré. On est dans la même situation. Avec un président de la République qui s'est fait lire sur un discours euh, « mon ennemi, c'est la finance », la taxe à 75 j'aime pas les riches, euh, et, et qui, qui a abrogé la quasi-totalité des mesures, sans doute trop prudentes que nous avions prises, mais qui allaient dans le sens d'une libération du travail ou de la baisse des charges, et qui aujourd'hui nous propose une réforme du code du travail. Un premier ministre. Qui essaye de se servir de cette réforme du Code du travail pour sa propre image et pour ses propres intérêts, le cas échéant pour régler son compte à son adversaire principal dans le gouvernement qui est Emmanuel Macron. Euh, une gauche éclatée, voilà, le résultat il est là. Et je crains vraiment que cette réforme n'aboutisse à quelque chose qui sera plus contraignant pour les entreprises que la situation d'aujourd'hui. Voilà, pourquoi je dis ça C'est pour dire que tout n'est pas perdu d'avance que la France n'est pas irréformable, que le système syndical a plein de défauts, mais qu'on doit pouvoir surmonter ces difficultés. Comment D'abord en annonçant les choses clairement et à l'avance. C'est pour ça que j'ai voulu commencer tôt. Il faut que le débat s'instaure dans le pays autour des thématiques de réforme libérale que je, que je propose. Ça permet déjà d'éviter l'effet de surprise qui est dangereux. Ensuite, il faut que l'élection présidentielle, évidemment, tranche cette question. Nous avons une chance. Euh, sans doute historique, c'est que c est, c est, le futur candidat à l'élection présidentielle va être choisi par la droite et par le centre, puisque sans être euh, trop sûr de nous ou de moi, <laughs> Euh, le candidat qui sortira de la primaire a quand même beaucoup de chances d'être le futur président de la République. Donc ça veut dire que le choix du programme et le choix du candidat se fera par des électeurs de droite et par des électeurs du centre, et non pas au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui doit permettre d'avoir un projet politique beaucoup plus euh, euh, net, beaucoup plus ferme, beaucoup plus fort, beaucoup plus assuré sur le plan euh, idéologique. Ensuite, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, une équipe, un commando euh, de dix ministres. 15 au grand maximum, mais 10, ça serait formidable. Ce gouvernement, il doit être capable d'appuyer sur le bouton des réformes le 1er juillet. Pourquoi le 1er juillet Parce qu'il y a une élection présidentielle, ensuite il y a une élection législative, voilà, il y a un calendrier politique français qui est absurde. On ne devrait pas élire le président de la République au mois de mai, on devrait l'élire au mois de novembre pour qu'il puisse entrer en fonction en janvier et qu'il puisse avoir six mois pour faire les réformes. Il se trouve que cette date est liée à la mort de Georges Pompidou et que je ne propose pas de la changer parce que je pense que ce sera euh, absolument impossible. Cela consisterait à proposer aux Français soit de rallonger le mandat de François Hollande, ce qui me paraît difficile même pour lui peut-être, <laughs> soit de le raccourcir, ce qu'il refusera. Donc il faut faire avec, donc il faut être capable d'appuyer sur le bouton le 1er juillet. Et moi ce que je veux, c'est que le 1er juillet, les deux ou trois ministres chargés des réformes, l'économie et les finances, le travail pour l'essentiel, euh, arrivent avec des textes prêts euh, et dans une forme de blitzkrieg. Euh, fasse passer euh, devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la, 5e, euh, la Constitution de la e République, les ordonnances, les votes bloqués, le 49-3, ben tout ce qui est nécessaire, fasse passer en l'espace de deux mois, sans interruption euh, estivale, les six ou sept réformes fondamentales qui vont changer le climat de l'économie et le climat du travail dans notre pays. C'est évidemment pour moi l'abrogation des 35 heures et la suppression de la durée légale du travail. Elle renvoie à la négociation dans les entreprises sans contrainte. C'est le nouveau code du travail. C'est la réforme de la fiscalité du capital, fondamentale pour relancer l'activité économique dans notre pays. C'est la réforme de l'assurance chômage. C'est la réforme de l'apprentissage. Euh, et c'est les mesures, les premières mesures euh, d'économie euh, sur le budget euh, de l'État et sur le fonctionnement de l'État. Enfin, je veux prolonger, vous avez trouvé que je, je contourne votre question sur les syndicats, mais je vais quand même y venir. Je veux prolonger la tension politique qui euh, euh, caractérise l'élection présidentielle et l'élection législative, cette espèce de dynamique euh, qui permet de faire des changements et qui a été gâchée lors des quinquennats précédents. Euh, par euh, sans doute euh, ce sentiment qu'on avait le temps et qu'on pouvait, euh, euh, une fois une campagne difficile conduite, euh, conduit partir en vacances, se reposer avant euh, d'attaquer au mois de septembre des réformes euh, en euh, oubliant qu'au mois de septembre, il n'y aurait plus la dynamique, il n'y aurait plus la, la tension. Donc pour prolonger cette tension, euh, moi je pense qu'il faut organiser un référendum en septembre qui permet de maintenir l'état de tension électorale dans le pays et donc de rendre très très difficile la contestation sociale pendant cette période, autour de deux ou trois idées fortes et qui, à mon sens, ne font pas courir trop de risques au président de la République élu et à sa majorité. Ce référendum pourrait tourner d'abord autour d'une question fondamentale. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on inscrive dans la Constitution le principe d'égalité des régimes sociaux entre le public et le privé Inscrit dans la constitution de la République française, ça rendrait ensuite absolument obligatoire et nécessaire la convergence des régimes sociaux. Deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord pour fusionner les départements et les régions? Troisième question, est-ce que vous êtes d'accord pour supprimer un certain nombre de parlementaires, diminution du nombre de parlementaires? Ça peut paraître un peu démagogique, ça peut paraître un peu comme la. La cerise sur le gâteau ou la crème chantilly pour être certaine que, certain que le référendum soit voté. Euh, mais je pense qu'en plus, ça peut conduire à la modernisation du fonctionnement euh, du Parlement. Voilà. Si on fait tout ça, on crée un choc qui, à mon sens, rend très, très, très difficile. Euh, la réaction sociale que vous euh, craignez. Alors après, est-ce qu'il faut modifier l'organisation euh, du dialogue social et modifier le dialogue social en France et l'organisation euh, syndicale Oui, bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, le système craque. C'est vrai pour les partis politiques, c'est vrai pour les syndicats. J'ai déjà fait beaucoup de propositions, je propose par exemple qu'il n'y ait plus, euh, que, que, que tous les délégués syndicaux dans les entreprises soient obligés au moins de travailler 50% de leur temps, qu'il n'y ait plus de délégués syndicaux à temps complet. Euh, je propose qu'on libère la candidature euh, aux élections, euh, au premier tour des euh, élections professionnelles. Euh, je fais d'autres propositions dans ce sens, mais il ne faut pas vous y tromper, ça prendra du temps ça. Le, le climat il ne changera pas euh, comme ça d'un coup de baguette magique. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut qu'il y ait ce blitzkrieg, ce choc psychologique, euh, qu'au fond je suis le seul à proposer, qui peut inquiéter, qui peut faire peur, mais qui, à mon avis, est la clé euh, d'un changement réussi dans notre pays. Quel est votre projet dans la perspective de la réduction de la dépense publique Donc, moi, j'ai. Euh... Annoncer que je voulais réduire de l'ordre de 110 milliards euh, la dépense publique en cinq ans. Ce n'est pas un chiffre qui est sorti comme ça de mon imagination. C'est à la fois le résultat euh, d'un travail que nous avons fait sur ce qui est possible, puis sur ce qui est nécessaire pour, euh, en fin de quinquennat, euh, commencer à enclencher une baisse euh, du niveau d'endettement de notre pays. Euh, comment est-ce qu'on y parvient On y parvient, parvient d'abord euh, en réduisant les effectifs des trois fonctions publiques. Euh, je propose de euh, passer à 39 heures le temps de travail dans les trois fonctions publiques. Je reconnais que c'est euh, évidemment un projet ambitieux, euh, mais il est pour moi absolument fondamental pour deux raisons. D'abord, parce que je veux supprimer la durée légale du travail et euh, renvoyer à la négociation dans les entreprises. Pour que la négociation dans les entreprises se passe correctement, il faut mieux que la référence soit à 39 heures plutôt qu'à 35. Et donc si la fonction publique est à 39 heures, la référence sera euh, à euh, 39 heures. La deuxième raison, c'est qu'il faut réduire les effectifs de la fonction publique de façon très importante, et moi je propose de les réduire de l'ordre de 500 000 euh, euh, personnes dans les trois fonctions publiques pendant euh, les euh, cinq années du quinquennat. 500 000, c'est euh, euh, un calcul qui découle du passage à 39 heures. Euh, le passage de 35 à 39 heures représente l'équivalent d'à peu près 600 000 euh, emplois équivalents emploi. Bon, C'est un calcul qui est pas totalement juste, qui est un peu faux. Euh, D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas 35 heures euh, dans les fonctions publiques locales en particulier, mais 32. Donc le, 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 le potentiel d'emploi créé est plus important. C'est un calcul qui est faux dans l'autre sens parce qu'il il intègre la totalité des enseignants pour lesquels on ne peut pas forcément raisonner en termes de passage de trente cinq à trente neuf heures. Mais on voit qu'avec le passage à trente neuf heures, on peut maintenir un haut niveau de service public dans notre pays tout en réduisant de l'ordre de cinq cents le nombre des emplois. Pour réduire le nombre des emplois de cinq cents, on ne peut pas se contenter du fameux un sur deux, qui d'ailleurs me semble être devenu à l'expérience une mauvaise méthode. On ne peut pas faire du un sur deux. D'abord, ça ne fait pas 500 000 mille, et deuxièmement, c'est absurde compte tenu du fait qu'il y a des secteurs de l'action publique qu'il faut progressivement éteindre ou transférer au secteur privé, et puis d'autres pour lesquels on a besoin de renforcement, on a plutôt besoin de magistrats supplémentaires, on a sans doute besoin d'ordonner un peu d'effectifs à nos forces armées compte tenu des menaces qui pèsent sur notre pays. Et sur l'Europe, et donc le 1 sur 2 me paraît une très mauvaise solution. Euh, il faut donc ne pas remplacer, dans certains cas, la totalité des départs en retraite. Mais ça ne suffira pas. Et moi, je propose de mettre en place des programmes d'aide de, 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 au départ, euh, en particulier dans les collectivités locales. L'effort, évidemment, a été déjà commencé dans le secteur de l'État. Il n'a absolument pas commencé dans le secteur des collectivités locales. C'est même exactement le contraire, puisque les collectivités locales ont créé en gros autant d'emplois qu'on en avait supprimé dans le quinquennat précédent. Les collectivités locales vous diront à juste titre qu'elles ont créé des emplois parce qu'on leur a imposé des, des, des euh, tâches supplémentaires, qu'on leur a transféré des compétences. Ce n'est pas faux. Mais globalement, ce raisonnement-là est un raisonnement qui ne peut pas être défendu dans la mesure où il faut baisser la dépense publique. Ensuite, je propose des mesures de diminution de la dépense sociale, des transferts sociaux. D'abord, en passant l'âge de la à 65 ans et sans délai, le plus rapidement possible, le plus rapidement supportable. Je dois dire d'ailleurs que si, pour tous ceux qui me connaissent, c'est un chiffre que je défends depuis très très longtemps et j'aurais aimé euh, qu'on passe l'âge légal de la retraite à 65 ans il y a déjà euh, plusieurs, euh, plusieurs années. Euh, je propose euh, une réforme radicale de l'assurance chômage qui permet euh, des économies importantes. Je propose la mise en place euh, d'une allocation unique euh, regroupant toutes les allocations sociales existantes. Ce qui permet de faire des économies de gestion considérables, quand on connaît le nombre d'organismes sociaux qui gèrent aujourd'hui les aides sociales, ce qui permet de lutter contre la fraude, ce qui permet de plafonner les allocations sociales pour faire en sorte qu'elles ne soient jamais supérieures et même qu'elles soient inférieures aux revenus du travail. Et puis enfin, je propose des réductions de dépenses sur l'ensemble des budgets. Public. Cet effort, il doit être conduit sur la durée. Il doit être conduit pendant les cinq années. Le, le, le programme que je propose, il se traduit euh, par une augmentation euh, de la dette pendant les trois premières années. Liées d'abord aux décisions antérieures, mais liées aussi à des mesures fiscales sur lesquelles j'imagine on va revenir tout à l'heure et qui sont pour moi absolument fondamentales pour relancer l'activité économique. Puis ensuite, à partir de 2013, on enclenche la baisse de la dette publique grâce à l'effort d'économie de 110 milliards sur cinq ans. À la Fondation Concorde, nous pensons que si l'on veut enfin créer des emplois marchands, il est indispensable, comme l'ont fait l'Angleterre, les États Unis, l'Allemagne et tant d'autres, il est absolument indispensable d'ouvrir grand les vagues de l'investissement, et en particulier de l'investissement privé. Pour Concorde, cela passe notamment par une réforme drastique de la fiscalité du capital et de ses revenus afin de nous aligner et je dis bien nous aligner et même pas nous différencier avec nos voisins européens. Pour cela, trois mesures clés la première la suppression immédiate de l'ISF, Impôts stupides et anti-emploi. Deuxième mesure, taxation forfaitaire de l'ensemble des revenus du capital à un taux moyen européen que nous situons aux environs de 25%. Et enfin, troisième mesure très importante, stabilité de ces mesures sur cinq ans. Merci de nous donner votre avis sur ces trois propositions. Pour moi, c'est une des priorités euh, absolues euh, et c'est une question qui doit être réglée dans le mois de juillet 2007, euh, une fiscalité du capital qui permette de nouveau euh, l'investissement dans notre pays. On me dit que ce n'est pas un sujet populaire. Et euh, je crois qu'un ancien président de la République a dit, voyant mes propositions, s'il pense se faire élire en supprimant l'ISF et en supprimant les 35 heures, il peut toujours courir. Euh, je pense que c'est absolument fondamental et c'est. Notre responsabilité aujourd'hui euh, que d'expliquer de, inlassablement à nos concitoyens euh, que la fiscalité du capital dans notre pays tue l'emploi. Euh, tous les soirs, dans les euh, meetings que j'anime, je dis je veux des capitalistes français. Il n'y a plus de capitalistes français. Les gouvernements successifs ont tout fait pour euh, 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 mettre à terre les capitalistes français. On les a taxés, montrés du doigt, euh, vilipendés, ils sont partis. Pour un grand nombre d'entre eux, en tout cas. Et aujourd'hui, quand euh, le pouvoir, ça a été mon cas en tant que Premier ministre, cherche euh, des capitaux pour euh, euh, permettre euh, le redressement ou le développement ou la croissance euh, d'entreprises françaises, qu'est-ce qu'il fait Il se roule euh, par terre devant le Qatar. Euh, en mettant en place des conditions fiscales euh, meilleures que celles qu'on fait euh, aux capitalistes français euh, ou alors il accueille à bras ouverts les fonds de pension euh, américains ce qui euh, n'est pas dans ma philosophie euh, libérale euh, euh, comment dirais je quelque chose que je veux empêcher mais enfin qui est quand même un peu étrange. Voilà un pays qui a un mal fou à payer retraite, les retraites de ses citoyens, mais qui accepte sans sourciller que les, 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 les plus beaux fleurons de son économie servent finalement à financer les retraites de ses concurrents. Donc il faut profondément revoir cette fiscalité du capital. Je me suis engagé déjà depuis des mois et des mois sur une première chose suppression immédiate de l'ISF. Ça doit être fait tout de suite. Ça doit être fait tout de suite. Pourquoi Tout simplement parce que c'est difficile, c'est pas populaire, et si c'est pas fait tout de suite, ça sera jamais fait. C'est début du quinquennat, c'est en juillet où ça sera jamais fait. On a eu cette discussion avec Nicolas Sarkozy en 2007. La vérité m'oblige à dire que lui comme moi étions déjà convaincus en 2007 qu'il fallait supprimer l'ISF. Au moment de bâtir son projet présidentiel, il a considéré, on a considéré, que euh, c'était euh, très très compliqué de se faire élire dans ce, avec ce, ce projet emblématique, et on a donc inventé euh, la, le passage à 50 du bouclier fiscal. Si on fait le bilan de cette opération, on aurait abrogé l'ISF en 2007. On serait fait engueuler pendant six mois de manière très violente, mais au bout de six mois, on serait passé à autre chose. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que la gauche aujourd'hui aurait rétabli l'ISF. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de gens à gauche qui ont compris que c'était vraiment une, 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 une très très grave erreur par rapport à l'emploi et au développement économique de notre pays. En choisissant le bouclier fiscal, on s'est fait engueuler pendant quatre ans. Et à la fin, on a, fait la, on a pris la pire des décisions. Après s'être fait engueuler pendant quatre ans, on a supprimé le bouclier fiscal. Donc voilà. On dit parfois qu'il faut des gens nouveaux, mais des gens qui ont de l'expérience, c'est pas inutile non plus, parce que cette expérience-là, elle me fait dire aujourd'hui qu'il faut supprimer l'ISF sans hésiter. Voilà. Ces mesures-là, pour moi, elles sont prioritaires. Elles doivent être prises sans la moindre hésitation. Et c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles je dis que je veux un ministre de l'économie et des finances qui soit connu à l'avance. En tout cas, qu'il sache lui-même à l'avance que si euh, nous gagnons les élections présidentielles, il aura cette responsabilité, qu'il ait son texte dans sa poche et qu'il puisse le mettre en œuvre euh, dans les euh, premières heures euh, du, euh, de la nouvelle législature. Comme vous le savez, la construction de logements neufs en France est un driver important de la croissance, avec une contribution du PIB au PIB de l'ordre de 5 euh, au minimum 5 sur une, sur une base annuelle. C'est également une source importante d'emplois non délocalisables avec environ 1,2 million de, de, de salariés en France. Par ailleurs, la construction de logements neufs répond à un besoin réel de la population, notamment dans les zones tendues. Donc, dans ces conditions, considérez-vous aujourd'hui comme une priorité de maintenir les dispositifs du type Robien, de type Célier, du type Pinel. Je crois que le nom n'est pas tellement important ici. Et leur donner une stabilité réglementaire euh, plus importante que celle que nous avons aujourd'hui, et pourquoi pas sur des durées plus longues de cinq ans. Deuxième question considérez-vous comme une priorité de libérer le foncier par une politique plus volontariste, peut-être, en matière d'autorisation administrative Et dernière euh, dernière précision pensez-vous -vous, paraît-il important euh, d'envisager le déplafonnement des niches fiscales pour euh, l'achat de logements qui seraient destinés à la location alors je pense que cette question, par sa complexité, illustre l'échec assez radical de la politique du logement dans notre pays. C'est une politique qui est devenue totalement incompréhensible, qui est d'une complexité extrême, qui est faite d'incitations fiscales se corrigeant ou s'annulant les uns et les autres, c'est une politique qui est extrêmement coûteuse puisqu'elle représente de l'ordre de neuf à dix milliards d'investissement public, et c'est une politique qui débouche sur deux résultats catastrophiques il n'y a pas assez de logements euh, et euh, le, le logement est plus cher en France que chez la plupart de nos voisins, mais nos amis britanniques de côté, mais en tout cas au moins euh, chez la plupart de, de nos voisins d'Europe du Nord. Donc moi j'ai essayé de raisonner sur cette question du logement avec la même euh, idée fixe que celle que j'ai euh, déroulée tout au long de, des réponses à mes questions depuis euh, le début de ce petit déjeuner, cest à -dire la liberté. Il faut libérer ce secteur. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord que je veux euh, évidemment supprimer l'encadrement des loyers, euh, abroger cette euh, incroyable euh, loi Allure qui est venue encore alourdir euh, le secteur. Euh, je veux créer un, un bail homologué euh, en ligne euh, d'une grande simplicité, à la fois pour le propriétaire et pour le locataire, euh, permettant euh, à l'un euh, et, et à l'autre. De, de, de défendre leurs leur, leur droits je veux alléger et stabiliser la fiscalité du logement, notamment en mettant en place une TVA à taux réduit pour l'acquisition de la résidence principale ou pour un investissement locatif long je veux qu'on adopte un nouveau modèle pour le logement social en baissant le plafond de ressources euh, euh, permettant l'accès au logement social pour lui redonner euh, son, son rôle euh, car on sait que le logement social a pris dans notre pays une place tellement importante euh, qu'il écrase dans beaucoup de territoires l'ensemble le, 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 du marché euh, immobilier, c'est vrai en particulier dans toutes les, les, les villes moyennes euh, euh, à l'exception des, des, des très grandes agglomérations. Euh, J'ai dit tout à l'heure que je voulais créer une prestation sociale unique, ça veut dire que je veux en, en finir avec la location logement telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, euh, mais inclure la location logement dans une prestation sociale unique. Cette prestation sociale unique devenant une prestation totalement individualisée tenant compte de la réalité de la situation de la famille, du nombre d'enfants, euh, euh, éventuellement des ressources qui peuvent rentrer euh, dans cette euh, famille, on voit bien euh, les, les, les économies qu'on peut faire et en même temps comment cette prestation sociale unique peut devenir un instrument de justice sociale par rapport à un système aujourd'hui d'une telle complexité qui bénéficie d'abord euh, aux plus malins, euh, voire euh, à ceux euh, qui fraudent. Sur euh, l'utilisation le, le, du foncier euh, public et du foncier privé, j'ai fait des propositions qui vont dans le sens de ce que euh, vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'il faut simplifier euh, les procédures, euh, il faut euh, réduire les délais, parce que les délais sont aujourd'hui incroyablement longs, et ça m'amène à dire un mot d'un point absolument fondamental qui est euh, le, la, la simplification euh, des normes qui pèsent sur la construction de logements. Quand j'ai préparé mon projet sur le logement, euh, j'ai travaillé avec un très très grand nombre de professionnels du logement, et je me suis rendu compte qu'au fond, la revendication des professionnels du logement, c'était pratiquement la même que celle des entrepreneurs. C'est la même que celle des agriculteurs. C'est la même que celle des médecins. Qu'est-ce qu'ils disent, les professionnels du logement On comprend que vous nous fixiez des normes, que vous nous fixiez des objectifs. Il y, a des, il y a un certain nombre de contraintes qu'on doit respecter en termes de consommation d'énergie, en termes d'accessibilité, etc. Mais une fois que vous nous avez fixé ces normes générales, fichez-nous la paix. Laissez-nous construire comme on l'entend. Laissez-nous innover. Euh, euh, il est absurde de vouloir, par exemple, que tous les logements dans notre pays soient accessibles aux handicapés. C'est une absurdité qui a conduit à une augmentation de plusieurs points euh, du coût du logement en France. C'est-à-dire que pour satisfaire une demande qui n'est pas une demande réelle, puisqu'il n'y a pas dans chaque logement français un handicapé qui va habiter, on va priver des Français de l'accès au logement, parce que le logement sera trop cher. Euh, par rapport à leur, euh, à leur euh, revenu. Donc là, euh, voilà un exemple typique d'une affaire sur laquelle il aurait fallu faire preuve d'un peu de bon sens. Et puis après, euh, l'obligation d'un parking par logement. Moi je veux supprimer cette obligation d'un parking par logement. C'est une obligation qui... Euh, euh, est d'ailleurs assez contradictoire avec les politiques qui sont conduites euh, en matière urbaine par beaucoup d'élus euh, qui cherchent à se débarrasser des, des, des automobiles. Je ne dis pas que c'est la politique que je préconise. Hein, chacun connaît mon attachement à l'automobile, euh, mais euh, en tout cas, je trouve qu'il y a une énorme contradiction. Et surtout, il y a un coût euh, qui est un coût euh, insupportable avec des paris qui sont vides. Euh, voilà. Donc, je ne propose pas la suppression de toutes les incitations euh, que vous avez évoquées tout à l'heure, des aides à la pierre. Je propose qu'on les simplifie. Euh, Qu'on ait une politique euh, 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 très volontariste d'accès euh, à la propriété, de soutien à l'accès à la propriété. C'est en particulier la raison pour laquelle je proposais un taux de TVA réduit euh, sur l'acquisition de, 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 de la résidence principale ou sur la construction d'opérations destinées de, 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 à du logement de longue durée. Euh, mais il faut simplifier. Vous avez parlé de la compétence des ministres. Alors j'ai de la chance, depuis quatre ans, j'ai une ministre qui est extrêmement compétente. Mais elle n'aime pas les cliniques privées, elle n'aime pas la médecine libérale, elle a réussi le tour de force de passer trois lois. La première sur la pénibilité, qui nous touche tous, entrepreneurs. La deuxième, elle a sauvé le régime des retraites, c'est l'humour. Et la troisième, elle a passé très récemment sa loi de santé. Vous êtes engagé au mois de décembre, lorsque vous êtes venu à notre congrès, d'abroger cette loi. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui, vous exprimiez cette abrogation. Merci Monsieur le Premier ministre. Donc je me suis déjà très longuement exprimé sur ces questions et vous euh, reconnaîtrez d'abord que le gouvernement, mon gouvernement avait engagé une convergence tarifaire entre le secteur public et le secteur privé qui a été euh, interrompue euh, par l'actuelle majorité euh, et qui est venue aggraver considérablement les choses avec la loi de Madame Touraine dont j'ai pris l'engagement euh, solennel, public euh, de l'abroger. De l'abroger parce qu'elle comporte beaucoup de mesures qui sont des mesures... Euh, Idéologiques, euh, qui sont des mesures euh, qui visent à contraindre encore un peu plus les pratiques euh, du, euh, du secteur de la santé, avec un objectif qui est un objectif de réduction des dépenses qui n'est jamais atteint. Euh, et là aussi, il faut essayer de tirer les enseignements de, de, de notre expérience. Euh, on a pensé très longtemps que pour baisser les dépenses de santé, il fallait diminuer le nombre de médecins. Euh, et on a donc instauré le numerus clausus. Euh, qui euh, est une des causes aujourd'hui euh, du désastre euh, euh, qu'on qu appelle le désert médical hein, et qui est une question absolument euh, euh, fondamentale d'abord parce que la, la première responsabilité d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que euh, les, les, les outils d'éducation et de santé soient à la disposition de tous les citoyens sur le territoire ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous évoquiez tout à l'heure le retour de l'industrie dans nos territoires. Comment allez-vous faire revenir des activités industrielles dans des territoires où il y a zéro offre de santé J'ai été maire pendant très longtemps. Il y a deux ou trois choses qui sont absolument fondamentales l'éducation, la santé. Si vous n'avez pas les instruments nécessaires dans un euh, environnement suffisamment proche, vous n'avez aucune chance de, de, développer, euh, de développer vos territoires. Donc il faut abroger cette loi, puis il faut l'abroger parce qu'elle comporte le tiers-payant, euh, la généralisation du tiers-payant, qui est un, une étape de plus vers la déresponsabilisation complète euh, de nos concitoyens au regard des dépenses de, de santé. Beaucoup me disent que c'est une utopie de penser qu'on pourra supprimer le tiers payant parce qu'il sera en fonction, qu'il qu fonctionnera. Je ne le pense pas du tout. Je pense que le, le, le temps de, de mise en œuvre de ce tiers payant, malgré les efforts désespérés de la ministre pour aller le plus vite possible, ne permettra pas une mise en œuvre avant 2017. Et donc il faut supprimer ce tiers payant. Vous avez évoqué et puis vous développez dans votre programme des, des mesures concrètes sur les retraites. Je voulais avoir un peu plus de clarté sur les retraites sur capitalisation, et notamment, est-ce que vous pensez que des fonds de pension à la, à la française sont une bonne option Et si oui, puisque vous avez beaucoup parlé de méthodes, quelle serait votre approche pour les, pour les mettre en place Bon, sur la retraite, je veux, il faut que les choses soient claires. Moi, je veux d'abord une mesure immédiate de passage à 65 ans pour l'âge légal. Ça peut paraître. Je sais qu'il y a beaucoup de candidats qui vont faire des propositions beaucoup plus sophistiquées. Je me méfie des propositions sophistiquées. Puis surtout, moi, j'ai besoin, pour la crédibilité du programme qui est le nôtre, d'une mesure immédiate d'économie. Et la seule mesure immédiate d'économie que je connaisse, c'est le passage à l'âge légal à 65 ans. Le... J'ai porté plusieurs réformes de retraite dans ma vie politique, dont celle de 2003 qui avait permis, je vous le rappelle, de faire converger la durée de cotisation du secteur privé et du secteur public, qui, au passage, avait mis 4 millions de personnes dans la rue mais ne nous avait pas empêchés de faire la réforme, et qui avait enclenché l'augmentation de la durée de cotisation en fonction de l'augmentation de, la, de, de, de la durée de, de vie. L'honnêteté m'oblige à reconnaître que l'augmentation de la durée de cotisation n'est pas suffisante. Euh, en termes euh, financiers, euh, pour euh, euh, réduire le, et, 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 et assurer l'équilibre des comptes des, des, en matière de retraite, le seul euh, élément euh, efficace, c'est l'augmentation la, la, de, de l'âge légal de départ. Donc je veux qu'il soit à 65 ans. Une fois qu'on a fait ça, mais alors dans un délai qui est évidemment beaucoup plus long, je suis favorable à une réforme plus radicale de notre système de retraite. Je suis favorable à ce qu'on passe à un système de retraite par points. Je suis favorable, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, à l'alignement euh, des régimes de retraite du public et du privé, de la totalité des régimes de retraite du public et du privé. Et je suis favorable à l'introduction ou à l'introduction la, la, supplémentaire, parce qu'il y en a déjà un peu, mais pas suffisamment, des euh, systèmes de capitalisation. Je ne crois absolument pas au passage euh, radical d'un système de. De, de, de répartition, un système de capitalisation. Je crois d'ailleurs que dans l'histoire mondiale, il y a un pays qui a réussi cette opération qui doit être le Chili. Euh, C'est dire s'il si, euh, y a peu de, de chances qu'on puisse le, le faire. Euh, et tous les, toutes les réformes modernes des régimes de retraite en Europe, euh, en tout cas celles qui fonctionnent le mieux, ont consisté en réalité à euh, mélanger les systèmes. Alors, le système le plus euh, sophistiqué, sans doute le plus. Euh, euh, intéressant est le système suédois, avec euh, une partie de capitalisation, une partie de répartition euh, et avec un, un, un dispositif qui permet euh, chaque année euh, aux euh, futurs retraités de choisir sur des listes qui leur sont proposées quand ils n'en ont pas, euh, ils ont pas la, la, la capacité de le faire eux-mêmes euh, les euh, secteurs d'investissement dans lesquels euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent souscrire. Euh, quand vous allez interroger les candidats les uns après les autres sur, ce, sur cette question, il faut aller au bout des choses. Il y a trop d'hommes de, 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 politiques qui jouent avec l'affaire des retraites. Et qui font miroiter des réformes euh, formidables. Alors, Par exemple, les, la, la, ce qu'on appelle les retraites par points. Bon. Euh, le, le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça, ça, ça va régler le problème des retraites. Euh, le système par points, en réalité, ça permet une chose, qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le, le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà. De la même façon, il y a des hommes politiques qui expliquent qu'en fusionnant les régimes de retraite, en faisant en sorte que public privé soit au même niveau, on va combler les déficits des régimes de retraite. C'est totalement faux. Il faut le faire pour des raisons de justice sociale, mais faire croire, parce que c'est évidemment très confortable, de dire au secteur privé :« Regardez, si le secteur public payait... » Euh, des cotisations au même niveau que vous et si euh, les âges de départ en retraite étaient équivalents etc vos régimes de retraite seraient équilibrés c'est complètement faux, c'est arithmétiquement faux euh, donc ça veut dire que il faut le faire mais que ça n'empêche pas la nécessité de réformer l'ensemble des régimes de retraite voilà. et je pense qu'il faut évidemment pousser sur la capitalisation ne serait-ce que par, pour répondre à la question qu'on a évoqué au début euh, de ce petit déjeuner c'est à dire la question de, de, la, de la propriété euh, des, de, de, des entreprises françaises. Si, si on ne veut pas que demain la totalité des entreprises françaises soient entre les mains des fonds de pension euh, anglo-saxons, il faut bien que nous-mêmes, nous ayons ce que j'ai appelé tout à l'heure des capitalistes français, mais aussi des fonds qui permettent d'investir dans l'économie française. Je vais vous poser une question plus sur euh, la jeunesse euh, en France dans les politiques publiques, et euh, on en parle un petit peu en ce moment euh, du point de vue du droit du travail, de cette fameuse euh, barrière euh, insider-outsider. Et donc je voulais vous demander un petit peu euh, quelles étaient vos propositions par rapport à, euh, à la difficulté d'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi, au fait que, que le chômage soit deux fois plus élevé pour eux, et puis euh, surtout comment sortir un petit peu du, du schéma euh, des politiques publiques, de la dictée entre les contrats euh, courts et les contrats TDI, et euh, à partir de là aussi, pourquoi il y a si peu de renouvellement dans ces politiques de l'emploi euh, pourquoi, dans ce statut de la je euh, jeunesse, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un problème de renouvellement des élites politiques et on, et on va évoquer naturellement aussi le renouvellement des chefs d'entreprise et le renouvellement des. <laughs> Pardon. Euh, non, je, 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 je commence mal par une, une mauvaise plaisanterie, alors que le sujet est absolument euh, euh, fondamental. Il y a 2 millions de jeunes français qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas dans un emploi et qui ne sont pas dans une formation. C'est un chiffre que je répète inlassablement depuis des mois et des mois et que personne ne reprend. Je n'ai jamais entendu un journaliste le reprendre, je n'ai jamais entendu un, mais, euh, un ami politique le reprendre. Comme si ce chiffre faisait peur. Et c'est vrai qu'il fait peur. Euh, on préfère dire que le système scolaire exclut 150 000 jeunes par an euh, qui sortent sans qualification. On oublie juste que 150 000 par an additionnés, ça fait 2 millions aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a deux millions de jeunes français qui sont dans la rue. Il y a deux millions de jeunes français qui n'ont quasiment aucune perspective d'avenir et qui voient, compte tenu de la euh, complexité de la société moderne, compte tenu de l'évolution des entreprises, des technologies, des qualifications qui sont réclamées, qui voient progressivement leur avenir s'éloigner. Ces deux millions de Français, c'est une sorte de bombe à retardement euh, qui menace même, d'une certaine façon, la cohésion nationale. Ça doit donc être une priorité absolue de régler cette question de l'accès des jeunes à l'emploi. Comment on peut le faire D'abord, en généralisant l'apprentissage. On a évoqué tout à l'heure Dominique de Villepin et l'échec du CPE. C'est un échec que j'ai intégré dans mes perspectives, dans mon projet, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas proposé, même si je pense que ce serait une bonne idée, de modifier le SMIC. Parce que c'est une des questions l'accès des jeunes à l'emploi est rendu plus difficile par le, le niveau de la marche qu'il faut franchir. Et donc il serait euh, en théorie, dans l'absolu, euh, intelligent, raisonnable d'imaginer une modification de, du, du salaire minimum. Je ne le propose pas, parce que je considère que la masse de réformes que je propose dans les trois premiers mois de 2017 euh, euh, est suffisante euh, pour euh, créer le choc psychologique. Euh, mais euh, voilà, qu'on qu 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 ne doit pas aller au-delà et qu'il y a des sujets sur lesquels la, le, 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 le pays n'est pas prêt à accepter des modifications. Donc je propose une, une autre voie qui est celle de l'apprentissage. Si on généralise l'apprentissage, euh, on règle une grande partie de la question de l'accès des jeunes à l'emploi. On permet aux entreprises de recruter des jeunes en alternance euh, à des niveaux de salaire plus bas, évidemment avec des contraintes qui sont des contraintes différentes. De les tester, de les former, puis ensuite de les intégrer dans l'entreprise. Ça suppose évidemment de modifier complètement le contrat de travail des apprentis, qui est aujourd'hui beaucoup trop contraignant pour l'entreprise et qui est à un niveau de coût qui est trop élevé. Un, entre... un, un apprenti aujourd'hui, le coût horaire d'un apprenti est plus élevé que le coût horaire d'un SMICAR. Dans la mesure où, naturellement, il travaille la moitié de son temps seulement dans l'entreprise. C'est d'ailleurs une question que la société française ne s'est jamais posée et que je pose. Pourquoi est-ce que, si j'ai envie de faire des études de sociologie, ce sont. Je ne devrais pas prendre cet exemple parce que je vais être caricaturé si je prends cet exemple, mais, euh, mais je le prends quand même. Euh, si je veux faire des études de sociologie, c'est le contribuable qui va me les financer. Si je veux faire des études de soudeur c'est l'entreprise qui va financer la formation. On peut peut-être se poser la question de savoir euh, s'il ne faut pas rétablir une certaine égalité dans le financement euh, de la formation. Comment est-ce qu'on peut le faire Moi, je propose de supprimer totalement les contrats aidés et d'affecter une grande partie des sommes, parce que je veux quand même faire des économies au passage, une grande partie des sommes consacrées aux contrats aidés à l'apprentissage, au financement de l'apprentissage. Pour que ça fonctionne, je veux sortir les lycées professionnels de la tutelle de l'éducation nationale, et je veux placer les lycées professionnels et les CFA sous l'autorité des régions et des branches professionnelles, sous une autorité conjointe des régions et des branches professionnelles, pour créer un grand secteur de la formation professionnelle, de la formation technologique, en mutualisant les enseignants, en mutualisant les moyens et en ne laissant à l'éducation nationale, au fond, que le contrôle général euh, du dispositif, de, des diplômes euh, et de, 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 la valeur, euh, de la valeur de, de ces diplômes. Euh, L'objectif, ça devrait être qu'une grande majorité de jeunes Français accèdent à l'emploi, quel que soit le niveau d'études, euh, par la voie de euh, euh, l'alternance. Voilà, pour le reste, euh, on est dans une société où il faudra toujours qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes, des plus vieux. Surtout qu'elle vieillit, cette société, comme vous avez pu le constater. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour votre disponibilité. Voilà pour les temps forts du grand oral de François Fillon devant la Fondation Concorde. Et nous allons analyser les propositions de l'ancien Premier ministre avec notre chroniqueur économique jean -Louis Gombeau. Bonjour Jean-Louis. — Bonjour, Ariane. — Alors on l'a entendu, hein, François Fillon, Jean-Louis a un programme, des propositions claires, un programme de rupture. Et il a beaucoup parlé de choc. — De choc. Et j'ajouterai choc libéral. Mais effectivement, le mot-clé, c'est le mot choc, puisqu'en réalité, il dit « Il va y avoir les primaires ». Et donc on aura à l'issue de ces primaires une espèce de consensus idéologique au sein de la droite et du centre. Donc il n'y aura pas de discussion. On est bien d'accord sur les... Thème idéologique et philosophique de peut-être une politique gouvernementale. Et puis ensuite, j'aurai la légitimité présidentielle. Et donc, il faut qu'on profite de cet instant de, de consensus politique pour établir un véritable choc. Donc, les principales réformes, moi, je les fais en deux mois. Et à la rentrée de septembre, on fait un référendum sur trois autres réformes la fusion département-région, la baisse du nombre de parlementaires. Et ainsi, on a notre bagage pour pouvoir faire les cinq ans. Et. Ensuite, j'ajouterai choc libéral, parce que si vous prenez l'ensemble des dispositions qu'il nous a exposées, que ce soit la question du contrat de travail, que ce soit la question de l'éducation nationale, que ce soit la question de la construction, à chaque fois, il est dans le registre euh, libéral. On a eu l'impression d'un candidat à la primaire qui était rodé sur le plan euh, des réformes, sûr de lui, bien assis là-dessus. Le seul problème qui lui manque maintenant, c'est d'être élu. Et ce grand oral, hein, Jean-Louis, avait lieu en plein débat sur la réforme euh, du code du travail. Quelle est la philosophie de François Fillon sur Alors, ce sujet Alors, Justement, et il est libéral. C'est-à-dire que franchement, là, il prend... Et il, il revient sur l'idée... Bon, moi, j'ai été ministre des Affaires sociales et j'ai été premier ministre. Et j'ai vu que, à force de tourner autour du pot, on n'arrive pas à s'en sortir. Et notamment sur un thème, les 35 heures. Il dit, bon, ben, je suis pour la suppression de la durée légale du travail. Et je m'en remets aux entreprises qui décideront avec négociation sociale, et si les négociations n'aboutissent pas, la possibilité pour le chef d'entreprise d'en appeler directement à ses salariés pour déterminer le temps de travail. On a une distinction avec ce que propose la loi El Khomri, en tout cas le projet de loi El Khomri, qui dit... Oui, il peut y avoir référendum, mais il faut que ce soit à la demande d'un syndicat, même si celui-ci est minoritaire. Donc, l'idée, c'est que ça, ça lui permet de résoudre un problème, quand même, une espèce de, de comme le sparada du capitaine Haddock, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais des, de la défiscalisation des heures supplémentaires, qui était un thème central de Nicolas Sarkozy. Et dans la mesure où on fixe. Le, le temps de travail par entreprise, il n'y a plus d'heures supplémentaires donc, de fait, il n'y aura plus de défiscalisation des heures supplémentaires. Donc, responsabilité au niveau des entreprises. Ensuite, puisque euh, nous sommes en plein débat sur la loi El Khomri avec une mobilisation euh, de la jeunesse, il est sur l'idée suivante d'abord, il s'est bien gardé d'appuyer les opposants à cette loi El Khomri, ou bien voir même d'appuyer la, la loi El Khomri elle-même, puisqu'il a, nous a dit qu'il était persuadé qu'elle n'irait pas à son terme, qu'en fait elle ne serait pas votée euh, en l'État. Et donc sur la question de la jeunesse, il a beaucoup insisté, il a dit qu'est-ce que vous voulez dans ce pays, il y a 2 millions de nets, ce qu'on appelle nets, c'est le terme en fait anglo-saxon, « not in uh, employment, education and training », qu'ils sont ni en emploi, ni en formation, euh, ni en éducation. Et il y en a 2 millions. Donc il faut, au lieu de faire des contrats aidés, qui ne servent à rien, en tout cas qui sont absolument inefficaces et qui coûtent cher, je propose d'envoyer l'ensemble de l'enveloppe qui est destinée à financer ces contrats aidés pour développer l'apprentissage. Son thème central, c'est l'apprentissage. Donc je dirais deux choses. La libéralisation, responsabilité des entreprises. Et deuxièmement, pour aider les jeunes à accéder à la première marche du marché de l'emploi, d'abord, priorité à l'apprentissage. Et François Fillon, hein, qui a également insisté sur un thème qui lui est cher, Jean-Louis, la réduction euh, du déficit public. Alors, réduction du déficit public, mais si on, il il, ça lui est très cher, bien entendu, puisque dès qu'il est arrivé comme Premier ministre, rappelez-vous, il avait dit, je suis à la tête d'un pays en faillite. Donc, on ne peut pas dire que là-dessus, il, il tourne sa veste, il, il, effectivement, il a ce thème qui est central. Mais en réalité, on a du mal à voir... Où sont les économies qu'il nous propose Alors, il dit, il donne un chiffre, 110 milliards euh, d'économies, qui s'ajouteraient donc aux économies qui sont faites par l'actuelle euh, majorité. Donc, c'est quand même un effort considérable. Euh, je limite la hausse de la dépense PALDI à 2% par an. Donc, je rétablis les compliques Mais en réalité, si vous regardez bien dans les détails, il arrive à un déficit zéro à, en 2022. C'est-à-dire, donc, à la fin de ce qui serait, qui pourrait être son quinquennat. Ce qui veut dire que dès qu'il va arriver à la présidence de la République, si par bonheur pour lui, il est élu, il va demander encore un nouveau sursis à Bruxelles. Car il part de l'idée qu'en 2017, on aura un déficit de 4,7% et non pas de 3%, comme l'envisage l'actuel gouvernement. Donc, ça veut dire qu'il ne croit pas à ces chiffres. Réduction du déficit public, donc ça, ça se discute, en tout cas, ça se fait très lentement. Il dit même qu'au début, il y aura une augmentation de la dette pour financer l'ensemble des mesures qu'il préconise, et avec notamment une réduction des effectifs des personnels, de, de, personnel de non pas de l'éducation sociale, mais de l'ensemble de la fonction publique. Il y en a 5 300 000. Il dit qu'il va pouvoir le réduire de 600 000. C'est un effort là aussi absolument considérable. Il ne dit pas trop bien comment il va procéder, comment ça va se faire. Mais en tout cas, c'est son objectif qu'il compte bien attendre d'ici à la fin de son quinquennat. Et puis enfin, hein, Jean-Louis, un autre thème important euh, qu'a évoqué euh, François Fillon, euh, la fiscalité du capital. Alors là, où il, là, là aussi, il a une partie de raison, c'est que la fiscalité du capital a considérablement augmenté en France. Il y a une vingtaine d'années, ça faisait à peu près 7% du PIB. Aujourd'hui, on atteint 10% du PIB. Et il dit, écoutez, la fiscalité du capital, c'est une paralysie pour la création d'entreprises, pour l'innovation, c'est quelque chose qui est un obstacle à la croissance. Et au lieu, je, vais, au lieu de, je ne garderai pas la réforme de la fiscalité du capital qu'a introduite M. François Hollande, qu'il a aligné, comme vous le savez, sur la... De fiscalité du revenu, et je propose une sorte de flat tax sur la fiscalité du, temps de, du capital qui serait de l'ordre, dit-il, de 30%. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, on arriverait à un taux qui ressemble à celui de l'Allemagne, à celui des, de, des pays du Nord, de la Suède, du Danemark, qui sont à peu près sur ce thème de 30%. Il n'a pas chiffré ce que ça coûterait par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'évalue ça quand même 40 milliards d'euros de baisse de recettes fiscales pour l'État, si on inclut dedans la suppression de l'ISF. À laquelle il tient beaucoup, puisqu'il a dit qu'on avait là aussi, comme pour les 35 heures, on avait tourné autour du pot et qu'on n'a jamais résolu le problème. Donc il est sur un allègement de la fiscalité du capital. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour cette analyse. Et puis on se retrouve dans 15 jours, puisqu'après Alain Juppé et François Fillon, eh bien, ce sera au tour de Nicolas Sarkozy de passer son grand oral devant la Fondation Concorde. Ce sera le 23 mars.